Bon bah voilà, c'est le site sur lequel on va pêcher, un site super sauvage, des super berges bien sauvages. Donc allez, suivez-moi. Donc voilà, on a trouvé une belle petite place au bord du plan d'eau. On est légèrement d'aplomb par rapport à l'eau. La place pourrait être intéressante, étant donné que la batterie sera posée entre deux petites roselières. L'accès sera super pratique. J'ai privilégié de monter d'abord le bivy, étant donné qu'il commence un petit peu à pleuvoir. Ça évitera que le matériel soit mouillé tout le reste de la session. Donc voilà. Voilà, donc sur ma canne de gauche, je vais faire un amorçage avec de la petite particule, un mélange que j'ai fait à la maison. Donc on y trouvera des petits grains de chenille que j'ai au préalable fait cuire et germer, du beurre d'ara food mix, hein, un petit mélange multicolore, hein, la bouffe pour perroquet. Également de l'intense pellets, intensive pellets. Là j'ai pris une version Scopex. Et pour finir, de la bouillette. Donc la bouillette, j'ai utilisé deux sortes de bouillettes, la Biowaza et l'authentique Hemp. Donc voilà, là je vous ai ramené sur une petite gravière qui n'est plus en exploitation depuis une bonne quarantaine d'années. C'est un plan d'eau qui est très sauvage, donc on distingue bien des berges qui ne sont pas du tout entretenues. Des fonds qui sont très variables, c'est des fonds qui varient de 1m80, 2m pour les gros plateaux. Ça descend directement derrière sur 8,50, c'est reballonné sur 4m. Il y a beaucoup d'herbiers, énormément de charasses au fond. En bordure, on trouve un peu de potamo et beaucoup d'élodés, hein, donc carrément des algues qui remontent jusqu'à la surface. La myriophile aussi un petit peu. Il y a très peu de pêcheurs hein, qui viennent, hein, vu que la pêche est quand même assez difficile. Les poissons, ils sont pas super gros, super imposants. Par contre, le mérite de faire un poisson un petit peu plus petit dans ce type d'eau est toujours plus valorisant, on va dire, que de pêcher dans une bassine à poissons, quoi. Donc au niveau de l'approche, je vais exploiter deux gros secteurs du plan d'eau. Ces deux secteurs, donc on aura les extrêmes bordures hein, qui sont très, très encombrés et les grands fonds, on tournera plus à 6,50 m, 8,50 m d'eau.
Voilà, pour l'extrême bordure, je vais déposer une ligne carrément à côté, à proximité d'un gros arbre immergé où beaucoup de poissons s'y abritent. Tandis que pour les lignes qui seront posées dans les grands fonds, la hauteur, la longueur du baline dépendra de l'épaisseur de l'herbier. Donc on pêchera avec des balines de 30 à 40 cm. Ça nous permettra de déposer la ligne dans un herbier et le montage sera présenté 5-10 cm au-dessus de l'herbier. Pour ce qui est de l'amorçage, je vais utiliser deux amorçages totalement différents. Un sucré qui sera basé vraiment sur de la microparticule hein, et le second sera plus un mélange de plusieurs pellettes qui seront là pour vraiment laisser une grosse empreinte gustative sur le fond. Voilà donc le poisson que je viens de faire, hein, je l'ai fait avec un bas de ligne en 13 décollé de 40 cm. Donc je l'ai décollé grâce à deux pop-up, hein, donc une pop-up de 15 mm et un petit dumbbell. Donc là c'est de l'ananas à caproïque. Côté intéressant en fait du montage, c'est que j'ai pêché au-dessus des herbiers, hein, donc j'avais une trentaine de centimètres d'herbier. Le montage s'est juste présenté au-dessus et ça a payé. Voilà, pour ce qui est du matériel, en canne, j'utilise de la Shimano LeSat en version Monster, une puissance de 40 à 170 grammes. C'est vraiment l'idéal pour la pêche en bateau. Voilà, bah moi je suis un pêcheur en fait qui aime tous les types d'eau, hein, les petits plans d'eau, les petites sablières, comme les belles gravières ou les grands lacs. Et donc pour vous faire partager cette expérience, on va partir ensemble au lac de Bin El Ouidane au Maroc. شنطرت تقولي قولي
حبك كملني وارتاحت ايامي يا فرحة عمري ويا جنة احلامي اللي بقلك تهوى حبي فيك بقوى يا وعد الدنيا اللي من دونك شو بتسوى خدني وغربني بكلماتك لبعيد ضلك غني لي وسمعني من جديد شو بدي قول انت الكلمات اللي بتحكي وبتقول انت اللحظات اللي بتحلى وبتطول احلى الزهرات واطرب كل الفصول اخبرني ولا تقول اخبرني وسمعني دقاتك بتقول بحضنك احسن احمل اسمك وبيت بيجمعنا وطفل يكون برسمك عينيك قبالي تحمل حب وتوعد وقربك مشتاقة وكيف لو عنك بيت يا بدلك تحكي الكلمة منك تحكي حدك رح عايش ونكبر تك تكي حبك مشواري ومشوارك غني وما بيخلص حبي ولو تفنى الدنيا شو بدي قول انت الكلمات اللي بتحكي وبتقول انت اللحظات اللي بتحلى وبتطول احلى الزهرات واطرب كل الفصول خبرني ولا تقول خبرني وسمعني دقاتك بتقول بحضنك احسن بتنساني وبتسوق لون ايامي بايامك عطول Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.